Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce 24e vlog. Ce soir c'est le réveillon, j'ai tellement hâte. Donc voilà, aujourd'hui ça va être une journée tranquille. Oh là là, Tutti, il s'est étalé comme une patate. Ah, où ça? Oh, ça c'est un chat, mais tellement magnifique. Ah, oh, ça c'est mon chat d'amour, hein. Ah, oh, c'est mon gros bébé, ça. Oui. Ah, il me mord. Vers 15h, j'irai en ville. Donc, il faut que j'achète du produit à Clope électronique. Et je pense que je vais passer chez NYX prendre le crayon en teinte caramel pour les sourcils. Et il faut que je passe chercher un collier aussi au point relais. Donc, voilà. Là, pour l'instant, je vais finir mon café. Et je vous reprends plus tard. Et de toute façon, avant d'aller en ville, je vais me faire un petit make-up. Donc, je vous montrerai. Ta gueule! Et en rentrant dehors, bah, je vais commencer à faire mon look de Noël, en fait, donc mon look de réveillon. Donc je vous filmerai tout ça. Et puis voilà, la pièce vintage du jour en fait partie. Donc voilà, je vous montrerai tout ça. Je m'apprête à me faire un petit maquillage, tranquille. Je vais pas faire un maquillage de folie, parce que pour l'instant, je vais juste en ville, donc je me maquille juste histoire de pas ressembler à Walking Dead. Mais sinon, voilà, je pense que je vais faire un make-up tranquille, et je reviendrai plus tard ajouter des petits éléments, machin, ou alors non, peut-être je vais faire mon make-up tout complet, sauf le rouge à lèvres, parce que j'ai pas envie de mettre le rouge à lèvres rouge maintenant, j'ai peur qu'il bave, j'ai peur que ça coule ou quoi, donc ouais, peut-être que je vais juste faire mon make-up entièrement, et je mettrai le rouge à lèvres à la fin. Donc eh bien c'est parti, écoutez. Donc voilà, je viens de terminer mon make-up, donc voilà, j'ai fait comme à peu près j'ai fait l'autre fois en fait, parce que j'avais tellement kiffé que voilà, j'aime beaucoup. Donc ce soir je pense que je mettrai mon rouge brique brillant, là j'avais pas envie de le mettre tout de suite parce que sinon il va baver, etc. Et donc je relisais un petit peu les commentaires du vlog d'hier. Et en fait, il y a des questions auxquelles j'ai pas répondu parce qu'en fait tout simplement vous avez posé vos questions après que j'ai fait la petite FAQ, donc du coup je vais répondre encore à 2-3 questions parce que j'ai pas envie qu'il y en ait qui soient frustrés que j'ai pas répondu à vos questions. Et donc voilà. Alors, quel est ton plus grand rêve
Alors, mon plus grand rêve, j'y ai déjà répondu plus ou moins dans la FAQ d'hier. Pourquoi on ne voit pas ton chéri? J'en ai parlé aussi dans la FAQ d'hier. Je te donne la possibilité d'avoir une baguette magique et je te donne 3 vœux. Lesquels seraient-ils? Gros bisous. Alors, c'est franchement, ça c'est le genre de question qui m'effraie parce que je ne sais pas quoi choisir en fait. Genre, il y a tellement de vœux que je pourrais faire comme ça, genre... Déjà, je suis quelqu'un qui a extrêmement peur des maladies. Du coup, je pense que je dirais garder la santé éternelle pour moi et pour tous mes proches. Du coup, c'est compliqué, en fait, parce que je pourrais pas choisir 3 vœux. Parce que, bien sûr, je pourrais dire premier vœu, être riche. Comme ça, bon ben, voilà, je serais tranquille dans la street. J'aurais la sécurité de l'argent. Ensuite, je pourrais dire que les mentalités des gens changent. Ça, ce serait tellement merveilleux. Que les gens arrêtent de juger par rapport au premier abord de ce qu'ils voient des gens. Mais bon, ça, je sais que c'est un vœu carrément irréalisable. Bon, et puis, comme troisième vœu, je pourrais choisir d'avoir toute la garde-robe de Fran Fine. Voilà, ça serait vraiment parti l'un de mes vœux. Vous savez que des fois, je suis folle. Je suis complètement folle, mais bon, quand on est passionné, c'est comme ça. Des fois, le soir, je m'imagine, en m'endormant, je m'imagine que d'un coup, à côté de mon lit, il y a, genre, enfin, à côté de mon lit, il y a même pas la place à côté de mon lit, mais genre, je sais pas, dans ma maison, quelque part, il y a, genre, une pile de cartons qui apparaissent comme par magie, et genre, je m'imagine aller et ouvrir ces cartons, et que genre, dans ces cartons, il y ait chaque exemplaire taillé sur mesure, à mes mesures, de la garde-robe de Fran. Et genre, quand je suis dans ce rêve-là, je suis en mode... si seulement, je vous jure, je rêve debout, je rêve éveillé quand je pense à ça. Et puis après, je pense que ça n'arrivera pas, donc je suis un peu dégoûté, mais bon. Voilà, donc, voilà, j'aurais répondu à ta question. D'où ça te vient de collectionner les pièces Moschino? Tu en as tant? Tu collectionnes autre chose? Bisous. Alors bon, comme je vous l'ai dit hier, ma collection Moschino, elle a débuté en fait quand j'ai vu la veste couture arc-en-ciel au marché. C'est ça qui m'a donné carrément envie. Et après, est-ce que je collectionne autre chose? En fait, j'ai collectionné pas mal de choses durant ma vie. À une époque, c'était les rouges à lèvres liquides. je peux vous jurer que j'en ai des tas et des tas. D'ailleurs, ne vous inquiétez pas, un jour je vous ferai une vidéo où je vous les montre tous. Mais sinon, oui, dans ma vie, j'ai collectionné plein de trucs. Quand j'étais petite, je collectionnais les Tamagotchi. Les Tamagotchi, c'était ma vie. J'ai collectionné les cartes Yu-Gi-Oh! Aussi quand j'étais petite. Mais je voulais que les filles, parce qu'elles étaient trop belles. Les filles manga sur les cartes, genre les sirènes, les fées et tout, enfin... Bref, un jour je vous montrerai peut-être ça. Parce que j'ai encore un classeur avec mes vieilles cartes, hein. Mais je les aime trop, je les aime trop. Et sinon, qu'est-ce que je collectionne? Bah, j'ai collectionné les fausses fourrures aussi. Mais bon, je me suis arrêté parce qu'en fait, j'ai toutes les couleurs de l'arc-en-ciel en fausse fourrure. Donc, à moins que maintenant, en fait, il y en ait une vraiment qui me tape dans l'œil et que je la trouve complètement ouf, j'achèterai plus de fourrure. Parce que j'en ai trop, j'en ai trop. J'en ai une verte, une violette, une bleue, une rose, tout! J'ai toutes les couleurs de fourrure. Ensuite, qu'est-ce que je collectionne d'autre? Eh ben, quand j'étais un peu plus jeune, j'ai collectionné les parfums. Ah, j'étais une fanatique de parfums. J'en avais plein. J'adorais ça, les parfums. Dès que j'avais un peu d'argent, je m'achetais un parfum. Puis après, ça m'est passé. Ça m'est complètement passé parce que j'en avais marre, en fait, de changer d'odeur tous les jours. Genre, j'avais l'impression qu'en changeant de parfum, je changeais d'identité. Ce qui est plus ou moins vrai, hein, en soi, quand on y réfléchit, parce que le parfum, une fois que vous avez trouvé le vôtre, il vous colle à la peau, c'est votre identité olfactive. Quand quelqu'un vous sent, eh ben, il imprime cette odeur, en fait, au fur et à mesure du temps qu'il vous côtoie. Et ensuite, s'il sent cette odeur ailleurs, il va se dire, ah, tiens, ça sent Daya. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, du coup, après, j'ai compris ça, et je me suis, je suis juste resté à un seul parfum, donc j'ai eu Womanity pendant très longtemps, et maintenant, bah, vous le savez, c'est Tocade. Mais voilà, enfin, je me suis complètement égaré, c'était pas du tout le but de la question, mais voilà, sinon, à part les pièces vintage, en ce moment, je collectionne rien. Quel est ton job de rêve? J'y ai répondu hier. D'où te vient cette passion pour le vintage? Alors, cette passion pour le vintage, ça me vient, évidemment, vous vous en doutez, de Fran Fine, d'une nounou d'enfer, parce que, en fait...
comment vous dire, j'ai un style très spécial, vraiment très 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 spécial. Vous verrez mes pièces, les pièces de ma garde-robe, même en dehors du vintage, c'est lumineux, c'est coloré, c'est flash, c'est extravagant. Voilà. J'ai du mal à trouver des pièces qui me satisfont, je sais pas comment on dit, j'ai du mal à être satisfaite par une pièce de nos jours, en fait. Parce que les pièces de nos jours, ben c'est... Voilà, il y a certaines pièces extravagantes que j'aime beaucoup, mais les pièces ne racontent pas d'histoire, les pièces sont juste jolies, mais elles sont pas genre, waouh, il n'y a pas de réflexion derrière. Vous voyez, genre, Moschino, il y a de la réflexion. Il y a vraiment de la réflexion. Je pense que vous aurez pu le voir tout au long du mois, et vous allez le voir pendant le mois qui pendant les jours qui restent. Il y a vraiment de la réflexion derrière cette marque. Chaque pièce est bien travaillée dans les détails. Chaque pièce est très, voilà, explicite. Il y a un petit message derrière chaque pièce, et c'est ça que j'adore. Ça me rend complètement dingue. Et en fait, avant de regarder une nounou d'enfer, je m'étais pas vraiment intéressé tant que ça au vintage. Je savais que c'était cool. Genre, je trouvais ça sympa et tout. Je me disais, ouais, c'est hors du temps, c'est vraiment très sympa. Mais en regardant une nounou d'enfer, en fait, ça m'a frappé complètement. Je crois que la première fois que j'ai vu ça, j'étais très très jeune, hein. Donc, ouais, ça m'a frappé assez tôt. Et en fait, genre, c'est tellement ouf parce que c'est le style, c'est mon style. Au fond de mon cœur, c'est mon style vraiment. Mais aujourd'hui, je ne peux pas me satisfaire en termes de style parce qu'il n'y a plus de pièces comme ça. Et c'est ça qui me rend dingue, en fait, avec le vintage et qui m'obsède. C'est parce qu'en fait, c'est le style que je n'ai pas pu avoir. Voilà, c'est exactement ça. J'ai fait une liaison alors qu'il n'y avait pas lieu d'être. Mais c'est le style que je ne peux pas avoir maintenant. Vous voyez, c'est mon style. Voilà, c'est comme ça. Et vraiment... Quand je vois Fran Fine avec toutes ses magnifiques tenues, je suis jalouse en fait parce que elle a eu l'occasion d'avoir ces belles pièces, d'avoir pu aller les acheter en magasin, c'était la tendance actuelle en fait. Et maintenant, moi je ne peux plus, je suis jalouse en fait parce qu'il y a des pièces, je galère à les retrouver parce que c'est introuvable, on n'a plus de pièces de ce style comme ça maintenant, c'est fini, c'est terminé. Les années 90 sont bien derrière, moi je vous le dis, parce que maintenant les pièces d'aujourd'hui, bon, il y en a des très jolies. Mais comme je vous ai dit, ça casse pas trois pattes à un canard. Hein. De toute façon, moi, j'ai l'impression, honnêtement, je critique pas les gens qui aiment ce style, ou je critique pas les Kardashian. Voilà, je tiens à le préciser, j'ai de haine contre personne, en fait, chacun a le style qu'il veut. Mais en fait, j'ai l'impression que depuis toute cette mode des Kardashian, etc., la mode, ça ressemble aux Kardashian. Genre, tout est nude, rose poudré, noir, beige, avec, je sais pas, des... Voilà. Maintenant, j'ai l'impression qu'au jour d'aujourd'hui, quand quelqu'un voit une autre personne habillée en couleur, genre avec un truc arc-en-ciel ou quoi, c'est tout de suite genre, oh mon dieu, carnavalesque, quoi. Alors que non, en fait. Enfin, je mets pas une veste arc-en-ciel parce que je veux me sentir au carnaval. Je mets une veste arc-en-ciel parce que c'est mon style, en fait. C'est tout. Point. Voilà. Y a rien de plus à dire, en fait. Et du coup, je pense que dans les années 90, c'était plus ou moins... Enfin, plus 80, je pense, honnêtement. Parce que c'est vrai que pendant les années 90, la tendance venait un peu au nude. Et c'est pour ça que Fran Fine, du coup, elle était un petit peu regardée en mode « Ah, qu'est-ce que c'est que cette personne carnavalesque, encore une fois ?» Mais surtout dans les années 80, je pense que c'était plus ou moins actuel. Les couleurs, les sequins, les motifs animaux, enfin voilà, tout ça. Et je suis triste de pas avoir vécu pendant ces périodes-là. Parce que, voilà, à l'époque... Le style était là, le style était bon, même dans les parfums, c'est con hein, mais même dans les parfums des années 90, mais ils sont phénoménaux, pardon, Tocade, 1994, Ivresse d'Yves Saint Laurent, anciennement appelé Champagne, le parfum de ma maman, que ma maman a porté pendant toute mon enfance, en fait, une merveille ce parfum, une merveille. Ivresse d'Yves Saint Laurent, une merveille, 1993. Enfin voilà, il y a tellement de parfums merveilleux qui sont sortis dans les années 90 parce que les artistes voulaient se démarquer. Du coup, ils faisaient des trucs uniques, ils faisaient des trucs qui sortaient du lot, ils faisaient des trucs remarquables. Remarquables. Maintenant, je vais en parfumerie, je sens les nouveautés qu'il y a depuis... Allez, ça fait 10 ans que c'est les mêmes parfums.
Ça fait 10 ans que toutes les odeurs de parfum, c'est les mêmes. Dites-moi si je suis folle ou si vous me comprenez, mais pour moi, que ce soit maintenant le nouveau La Libre d'Yves Saint Laurent tous des trucs comme ça, la Idole, les nouveautés là, moi, pour moi, ça sent la même chose, du floral frais, c'est tout. Donc voilà, pour moi, vraiment, niveau style, miser sur les années 90, c'est le tiercé gagnant. Parce que ça me représente tellement couleur, sequin, fausse fourrure, holographique, imprimé léopard. Toutes ces choses-là, et même, je vous dis holographique, mais vous allez me dire, oui, aujourd'hui aussi, il y a des pièces holographiques. Certes, le holographique n'était pas le même. Rien n'était pareil. Je me comprends quand je dis ça. Je ne sais pas si vous comprenez aussi, mais voilà. Et puis, je trouve ça tellement, tellement, tellement passionnant. Mais genre, moi, ça me passionne. Quand j'y pense, ça me met des étoiles dans les yeux, ça me donne les frissons, en fait, de pouvoir faire revivre cette époque, maintenant, en fait, dans ma vie quotidienne. Pour moi, c'est une richesse, en fait, c'est précieux. Pour moi, toutes ces pièces vintage, c'est des trésors. C'est vraiment des trésors à conserver avec soin, parce que... Voilà, c'est mon point de vue. C'est des pièces qui datent de ma naissance. Donc, voilà, ça me tient à cœur, en fait. Ça me fait l'effet, en fait, de regarder une vieille cassette vidéo toute floutée, où on voyait, où je me vois bébé, où genre je vois les styles des autres personnes. Rien n'était pareil. Rien n'était pareil. Absolument rien. Et du coup, voilà. Le vintage, c'est une vraie passion pour moi. Ça me fait chaud au cœur. Ça me rappelle des temps oubliés, des bons souvenirs. Parce que moi, quand j'étais jeune, enfin jeune, bébé, quand je dis jeune, c'est même pas jeune, c'est bébé, j'ai des flashs de moi de sentir ma maman portant Ivresse d'Yves Saint Laurent, qui pour moi est une odeur qui représente le vintage à 100% en voyant, je sais pas moi, ma grand-mère qui mettait des paillettes. Enfin, vous voyez, c'est plein de trucs comme ça. C'est des souvenirs, en fait, qui me rejaillissent en plein visage quand je vois ces pièces et quand je sens ces parfums des années 90. Quand, à chaque fois que je me mets tocade, j'ai l'impression d'être une femme des années 90 qui va, je sais pas, qui va se balader en ville... Je sais pas, ça m'enivre, voilà. Je suis passionné, vous l'avez compris, je vais arrêter de m'étaler, donc voilà. Merci pour ta question, parce que là, j'y ai bien répondu. Ensuite, est-ce que j'ai d'autres questions? Tu es de quelle origine? Alors, je suis d'origine en globalité caribéenne et espagnole, donc je sais que j'ai des origines du Brésil et de l'Espagne, donc voilà. Ensuite, il est où ce compte Snapchat? Alors, Snapchat, si vous voulez, je vous mets, je sais pas si je peux mettre mon Snapcode ici, ou alors je vous mets le nom de mon Snap en barre d'infos. Si vous voulez m'ajouter, allez-y, mais sachez que je vais très, 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 mais alors vraiment très rarement sur Snapchat, donc voilà. Si vous voulez m'ajouter, allez-y, mais je n'y vais vraiment jamais. Ensuite, quel est ton parcours scolaire ? Alors, mon parcours scolaire, c'est tellement long. D'ailleurs, je dois vous en faire une vidéo de ça. Parce que, comme je vous l'ai dit très rapidement dans une autre vidéo, j'ai grandi, en fait, dans une école religieuse, avec les bonnes sœurs, etc. Enfin, c'était très, très, très catholique. Et du coup, voilà, faut que je vous raconte tout ça parce qu'il s'est passé vraiment des choses dans cette école. Foulala. Donc, voilà. Tout ce que j'ai à vous dire comme petit spoiler, c'est que les catholiques élèvent les enfants avec la honte. Je ne vous juge pas, hein, loin de là, mais je dis ça parce que je l'ai vécu. Donc, voilà. Bah écoutez, je pense que c'est tout. Je pense avoir fait le tour. Donc, je vous remercie encore une fois pour vos questions parce que, voilà, je pensais pas en avoir autant. Et du coup, voilà, je continue à y répondre aujourd'hui parce que j'ai pas envie qu'il y en ait certains d'entre vous qui se disent « Ah, elle a pas répondu à ma question, etc. » Donc, voilà, là, je pense avoir répondu à toutes les questions. Donc, là, Sarah va bientôt arriver. Donc, je vais aller en ville avec elle. Donc, elle a 2-3 cadeaux encore à acheter. Moi, je dois, comme je vous ai dit, acheter mon produit à Clope et passer chez NYX pour acheter le crayon. Et puis voilà, hein, je vous reprends après, de toute façon quand je rentre, je pense que je vais commencer
à me coiffer. Donc je vais me faire des boucles au bigoudi, je pense. Et je vous montrerai tout ça. Et puis j'enfilerai ma tenue du réveillon. Et puis en même temps, je vous ferai la séquence vintage, puisque la pièce vintage du jour en fait partie. Donc voilà, je vous dis à plus tard. Re. Alors je viens de rentrer de la ville, j'en peux plus. Vraiment, je suis vraiment KO. On a fait Cannes en long, en large et en travers. Alors je ne vous dis pas le monde qui achète leurs cadeaux à la dernière minute. C'est un truc de ouf. C'était blindé, blindé, blindé. Alors, merci Sarah de m'avoir fait faire tout Cannes. Du coup, je suis passé chez NYX et j'ai acheté mon crayon. Donc là, je viens de me démaquiller les sourcils. Désolé pour ce raffut. Et on va le tester ensemble. Donc voilà, comme je vous ai dit, j'ai pris la teinte caramel. Donc le même modèle que l'autre, mais en teinte caramel. Donc voilà la couleur. J'ai pas de retour écran, donc je sais pas si vous voyez bien. Mais c'est parti, je vais tester ça. Oh oui. Ah ouais. Là, c'est parfaitement ce que je voulais. Mais genre, ça peut pas être mieux. C'est parfait. C'est un espèce de marron clair, légèrement cuivré, mais pas complètement orange non plus comme l'autre. Yes, j'ai trouvé, enfin. Mais j'ai l'impression que depuis que j'ai fait le blond des piles sur mes sourcils l'autre jour, ils ont refoncé. Alors, je sais pas vraiment si j'ai des racines aux sourcils. Yes, bah c'est nickel la couleur. C'est la couleur de sourcils que je voulais. Eh ben écoutez, voilà, hein, qu'en pensez-vous? Moi j'aime beaucoup cette couleur de sourcils. C'est parfait, c'est ce que je voulais. Donc voilà, bah écoutez. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais me poser 5 minutes là parce que... Voilà, je pense que je vais me regarder une petite vidéo YouTube ou quoi. Et après, j'irai faire mes cheveux, donc je vais vous emmener avec moi dans la salle de bain. Je vais faire les bigoudis, en fait. Donc, je vais me faire des jolies boucles. Et donc, voilà. Ok, donc c'est parti. Je vais faire mes cheveux avec les bigoudis. Bienvenue à tous dans la minute vintage du jour. Alors, eh bien, nous y sommes. Voici la tenue de Noël. Donc voilà, c'est ma tenue de réveillon. Je suis fan. Donc déjà, si vous regardez bien, j'ai mis ma jupe noire, mon sous-pull rouge et mes cuissardes compensées avec des collants noirs. De toute façon, je pense que vous aurez des photos sur Instagram, ça c'est sûr, parce qu'il faut absolument que je fasse des photos. J'ai encore mes bigoudis, parce que j'attends que ça chauffe et que ça prenne. Et donc, voilà, la pièce vintage du jour, c'est vraiment la plus extravagante de tout mon dressing. Et c'est l'une de mes préférées, évidemment, parce qu'elle est tellement unique. Donc voilà, je vais pas faire durer le suspense et je vais vous la montrer tout de suite. Ta-da ! Non mais regardez-moi ça. Mesdames et messieurs, je vous présente la veste sapin de Noël par Moschino. Non mais regardez-moi ça s'il vous plaît, les détails. En fait, je crois que si je commence à vous montrer tous les détails de cette veste, j'en ai jusqu'à demain matin. Donc la veste est comme ceci, c'est une veste courte à manches longues. Le tissu est de couleur vert sapin, puisque c'est une veste à pain de Noël. Donc tout le tour de la veste et le bas des manches, vous avez une guirlande dorée. Ensuite, vous avez une fermeture devant par bouton. Enfin, il n'y a pas de bouton, en fait, elle ne se ferme pas. Mais vous avez des boutons décoratifs et ce sont des boules de Noël. Donc là, vous en avez une verte, une dorée, une rouge et une bleue. Et de l'autre côté, une bleue, une verte, une argentée et une rose à la fin, rose dorée comme ça. Ensuite devant vous avez deux poches, bon, qui sont factices en fait, enfin non, les poches en vrai elles sont là, mais bon, il y a un ruban devant donc c'est pas utilisable. Et donc voilà, les poches sont comme ceci, elles sont d'un tissu marron avec des petits décors, un peu comme du papier cadeau parce que c'est censé représenter des cadeaux. Et dessus vous avez des gros nœuds rouges comme ça.
Et j'adore. Et partout sur la veste, vous avez des petits décors comme ça, donc c'est-à-dire des trucs comme ça avec du hou, des trucs de Noël en fait. J'adore. Vous en avez aussi sur le dos, des petites décorations comme ça. Enfin voilà, c'est juste magnifique. Et le détail qui tue, c'est que le bas des manches, vous avez, comme si c'était des boutons, trois boules de Noël. Donc là, vous en avez une rouge, une dorée et une bleue. Et là, pareil, une rose, une verte et une dorée. J'adore. Mais cette veste, mais... Seigneur Dieu, quoi. Collector. Bon, évidemment, c'est une veste qui est très fragile. Donc, je pense pas que je vais la garder pendant tout le dîner. Je pense que sincèrement, là, je vais la mettre, je vais faire des petites photos et tout. Et après, je vais l'enlever parce que déjà, un, j'ai peur de l'abîmer. C'est une collector, cette veste. J'ai peur qu'elle prenne les odeurs de nourriture et tout. Enfin, je ne veux pas l'abîmer. Donc voilà, regardez ça, c'est une Moschino Couture. Et j'ai encore, mesdames et messieurs, l'étiquette de l'époque. Donc, Moschino Couture, comme ceci. Donc, cette veste est sortie dans les années 90, encore une fois. Et donc voilà, l'étiquette. Je ne sais absolument pas ce que ça veut dire. Ça, ça doit être le prix. Mais alors, je ne sais même pas en quelle monnaie. Je ne sais même pas en quelle... Voilà, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, regardez-la. Elle est juste incroyable, cette veste. Et donc maintenant, je vais vous la montrer portée. Et en fait, juste avant que je l'essaye, regardez, j'ai même le cintre Moschino Couture des années 90 qui va avec. Non, mais c'est pas génial, s'il vous plaît. Allez, je l'essaye. Tadam ! Non, mais regardez-moi ça. Oh ! Alors là, mais y a quoi de mieux pour Noël, s'il vous plaît ? Regardez avec les boules et tout, bon, elle fait du bruit. Mais who cares ? Regardez cette veste, quoi ! Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Quelle merveille ! Quelle beauté, quelle pièce de collection. Non, mais alors là... Oh ! J'adore. Ah, oh, j'aime tellement, mais regardez, c'est une pièce incroyable. J'adore, j'adore, j'adore. Elle est tellement merveilleuse. Ouh, j'ai pas les mots. C'est la pièce la plus extravagante de ma collection. Et donc, je possède cette veste en taille 40, donc vous voyez que c'est parfait. Bon, les manches sont un peu courtes, hein, encore comme d'habitude. Mais bon, voilà, avec le soupule encore, ça passe. J'adore ces guirlandes au bout des doigts, enfin au bout des manches, comme ça. C'est tellement beau. Et puis voilà, quoi, enfin, quoi de mieux à porter pour un réveillon de Noël ? Ah, là, franchement, je vous le dis, cette veste, je vais la porter tous les Noëls jusqu'à la fin de ma vie, je crois, parce qu'elle est tellement belle. Regardez le dos. J'adore avec toutes ces petites décorations, là. Vous savez, c'est les décorations qu'on trouve sur les bûches. Oh, j'adore. J'aime tellement. Donc j'ai trouvé cette merveille sur le site Vite Dressing. Et donc voilà, en fait je l'ai trouvé par hasard et je me suis dit c'est quoi cette merveille? Il me la faut à tout prix. C'est une collector et franchement voilà, je l'aime tellement, 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 tellement. Donc voilà, et bien écoutez, j'espère que cette merveille vous a plu. Moi je vais aller détacher mes cheveux, faire 2-3 petites photos, et puis après bah, je vais commencer l'apéro et tout, parce que là ils sont tous en train de prendre l'apéro sans moi, c'est traître. Donc voilà. En tout cas, cette veste, mon Dieu, quelle merveille, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais dites-moi en commentaire si vous avez déjà vu un vêtement aussi extravagant de votre vie. Mais moi j'adore, quoi. Bon allez, je vais faire mes photos, je vous laisse, et je vous dis à demain pour une ou plusieurs pièces vintage. Donc voilà l'entrée, donc ce sont des œufs mimosa au thon. Et voilà la table qui est déjà pourrie. Non, non. Et ça c'est pour après, pour la fondue. Donc je vous souhaite un bon réveillon et un bon appétit. Donc voilà, là on a terminé de manger, on va passer au dessert. J'ai tellement hâte. Ça c'est du sucre de Noël. Ouais bah là tu l'as mis grossièrement. C'est moche. Non.
ma mère elle fait n'importe quoi. Donc voici mon gâteau avec le sucre glace mis n'importe comment. Oh dis. C'est la neige. En tout cas, il est super beau, regardez comme il est ferme. Je sens qu'il va être merveilleux. Bon appétit mon Pablo. Bon appétit mon bébé. Bon appétit mon poussin. Alors ce soir, vu que c'est réveillon, je lui ai mis sa nourriture de d'habitude. Et je lui ai mis un Crunchy Sticks. Donc voilà, c'est tout un assortiment de graines sur un bâton. Et en fait, il s'éclate à manger ça. Et je crois que celui-là, il est parfumé à la banane. Donc voilà mon poussin. T'es content? Tu manges, hein? Bon allez, moi aussi je vais manger. Et bien voilà, il est minuit passé. Donc je vous souhaite un joyeux Noël. J'espère que vous aurez passé un super réveillon. Moi je me suis éclaté, j'ai bien mangé et j'ai ouvert tous mes cadeaux. Donc je vous montrerai tout ce qui est en dehors du calendrier vintage demain. Et puis voilà, j'espère que vous allez passer de super fêtes, un super réveillon, un super Noël. Et puis moi je vous dis à demain pour une nouvelle journée.